Installez-vous confortablement et écoutez bien ma voix. Je sais que le succès n'est pas dû au hasard. Le succès réel et durable exige un ensemble de qualités physiques, intellectuelles et morales. La principale qualité physique est l'endurance. Il me faut la santé. Je veux donc vivre sainement. Je ne gaspillerai pas mon force dans le plaisir ni dans les travaux inutiles. Tous mes actes tendront vers mon but. Je serai sobre pour gagner des forces nouvelles qui me permettront de vouloir et d'agir avec persévérance. Je veux réussir. Je sais qu'il y a en moi des forces infinies. Je veux le libérer, l'augmenter sans cesse. Je veux gagner la victoire. Mon attitude est meilleure. Je me redresse. Mes muscles se tendaient, plus fermes. Je sens circuler en moi une vie nouvelle. J'ai confiance en moi comme dans l'avenir. Je veux accomplir cette tâche. Je rectifie mon regard. Je veux qu'il soit franc, plein de lumière et égal, forte, prompte à reprendre sa force sur tous ceux qui en ont besoin. Je veux que ma voix soit plus assurée, qu'elle porte mes décisions non comme des ordres, mais comme des pensées longtemps débattues. Je veux que mon attitude soit ferme et digne, sans arrogance et sans bassesse, sans violence et sans timidité. Je ne livrerai rien au hasard, car le hasard n'existe pas et le succès auquel j'aspire ne dépend que de moi-même. Je veux être attentif à tout, car toute chose, si j'y tâche ma pensée, peut me donner de notions nouvelles dont je puis tirer parti. Je veux réfléchir, car toute idée approfondie renferme un enseignement qui ne se révèle qu'à l'étude. Maître de mon corps, maître de mes pensées, je veux que mon effort soit aussi le salut des autres. Je veux attirer la sympathie. J'ai confiance en moi. Je veux mériter la confiance des autres. Je veux gagner ma place au soleil. Je vais réussir. Je veux réussir. Je veux réussir. Et maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous vous sentez merveilleusement bien comme quelqu'un qui a le réussite.